Bonjour à tous, merci d'être venus ce matin. Ce n'est pas une horaire habituelle pour des présentations, mais en tout cas, c'est marrant d'être là. Je m'appelle Théo Ledu, je signe Cosmographique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Typewriter, qui est alors le sous-titre une typographique odyssée, avec une faute orthographe d'ailleurs. Donc une odyssée typographique, et ça parle de l'histoire de la typographie de différentes manières. Elle est belle, ouais, j'essaie, faut pas rigoler. Donc Typewriter, ça raconte, comme je vous disais, l'histoire de la typographie à travers un jeu de plateforme qui se passe en silhouette. On incarne les deux petits points qui sont là, on roule avec comme une petite moto, et on traverse les époques, donc de gothique à pixel, en découvrant un peu les secrets de fabrication de la typographie, les grands inventeurs, les inventions importantes, les révolutions technologiques, etc. Alors, il n'y a pas de faute d'orthographe à Garamond, ça s'écrit avec un T. Donc là, par exemple, c'est Dido, etc. Je vais rentrer dans le vif du sujet en mettant directement un trailer. Alors, pour parler rapidement de Typewriter, je reviendrai dessus pour la fabrication. C'est un projet transmédia sur la typographie, donc c'est un jeu vidéo, un social game et une installation interactive, toute tournée autour de la typographie et des différentes polices qui caractérisent son histoire. Donc là, vous avez vu un peu tous les différents niveaux. En gros, chaque niveau correspond à une typographie, et dans chaque niveau, on découvre des époques et des inventions. Je vais essayer de parler de moi en rapide. Je suis interactive et motion designer. J'ai commencé en faisant de l'imprimerie à l'école Estienne, puis du graphisme à Gobelin. Et j'ai travaillé 2 ans en tant que freelance. J'ai travaillé à Dailymotion, à Ubisoft, à différents endroits comme ça. Et Typewriter, par exemple, c'est un projet que j'avais il y a 5 ans en maquette. Et je l'ai gardé quelques temps. Dans un carton, comme plein de projets comme ça qu'on crée un jour et qu'on n'a pas le courage de terminer, mais qu'on garde et qu'on ressort un peu plus tard. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Mais avant tout, je voudrais juste montrer un peu mon boulot en tant que motion designer. We'll be right back.
Donc c'était un petit showreel rapide. C'est mon boulot de motion designer, mais si vous voulez aller jeter un œil sur mon site, il y a un peu plus de choses. Donc pour raconter un petit peu l'histoire de Typewriter, ça a commencé, comme je vous disais, en 2008. J'étais étudiant. Et comme le Creative Morning. Comme le Creative Morning, c'est ça. Et j'ai fait ce petit prototype que j'ai retrouvé hier, d'ailleurs. Je me suis amusé à chercher dans les vieux dossiers. Petit prototype avec voilà, juste quelques typographies, les petites billes que j'avais récupérées qui venaient d'un jeu de moto en Flash. À l'époque, on pouvait bidouiller avec Flash assez facilement. J'étais étudiant et j'ai fait ce projet-là voilà, comme ça pour m'amuser en bidouillant. En 2010, je l'ai présenté à un RDM Weekend, l'équivalent des hackathons, mais pour le jeu vidéo. C'était un RDM Weekend autour de la création artistique, comment elle se déclinait en jeu vidéo. Donc c'était l'occasion en 48 heures de reprototyper le projet et de lui donner un petit peu plus d'ampleur, commencer à réfléchir à la partie documentaire. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à comment transmettre, comment donner des informations à travers un jeu vidéo. Donc à la base, c'était très simple. On terminait un niveau et puis on avait des petites fiches explicatives sur la typographie. Mais voilà, donc 2010, il y a 3 ans. Et l'année dernière, j'ai repris mes études après 3 ans de freelance et de boulot en agence parce que voilà, je commençais à sentir que j'avais plus trop envie de faire ça, que ça faisait quelques temps déjà que je faisais des web documentaires avec des copains et que bah, au final, c'était pas du tout. Enfin, je voulais pas rester motion designer en agence, quoi, si simplement. Et donc j'ai fait un master, IDE, Interactive et Digital Experience. Et à partir de là, on a pu créer en tant qu'étudiant en fait, un projet où il fallait présenter quelque chose autour d'un projet transmédia. Et j'ai ressorti Typewriter de mes cartons. Et à partir de là, bah, c'est allé un peu vite, comme on dit. On a eu l'occasion en fait, de créer l'équipe. Et à partir de là, on a fait les premiers prototypes. Et voilà, donc ça, c'est par exemple les premières images des prototypes. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est Unity 3D. On utilise Unity 3D pour faire du jeu mobile, des expériences 3D, des trucs interactifs et tout. C'est vraiment très puissant. C'est le nouveau Flash même. Et donc on a eu l'occasion voilà, de commencer les premiers prototypes, de faire une maquette, de commencer à créer des visuels, de commencer à réfléchir à la conception. Et quand je dis on était 5 étudiants, 2 programmeurs, 3 programmeurs et 2 créatifs. Alors là j'ai rien, c'est normal. Voilà. Premier visuel, donc c'est au moment des visuels Photoshop où on commençait à réfléchir un peu aux univers graphiques, à qu'est-ce qu'on peut raconter juste avec des lettres et juste des couleurs. Donc là par exemple c'était les recherches sur le constructivisme, les recherches sur les années 30 avec les néons, etc. Et le système de ce qu'on appelait les caves, les grottes, qui regorgeaient de petits savoirs, qui étaient en fait des espèces de transitions. Maintenant, on a beaucoup évolué, mais en tout cas, je vous montre un peu la démarche. À partir de là, en décembre, on a fait quelque chose qui s'appelle le I Love Transmedia, qui est organisé par la TIU. Qui est en gros une journée de pitch. Il fallait venir pendant 10 minutes présenter à une table de professionnels, enfin 8 tables de professionnels de 5 personnes, le projet en 5 minutes, dire voilà, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, c'est quoi sa déclinaison transmédia. Donc il y avait encore l'installation et le jeu Facebook à cette époque-là. Et à ce moment-là, moi je travaillais déjà avec une boîte de prod qui s'appelle Ex Nihilo, Agatim Ex Nihilo, qui sont producteurs historiques de documentaires et de films français, hein, qui n'ont rien à voir avec ça, mais qui sont lancés dans l'aventure des webdocs il y a 5 ans. Et en gros, à l'occasion de I Love Transmedia, on a présenté à Arte, et ça a tapé dans l'œil d'Arte. Et bah, après, moi je connaissais Ex Nihilo, Arte était intéressé, donc j'ai juste dit à Arte et Ex Nihilo de se parler, de se faire des bisous, quoi, parce qu'ils avaient envie de faire Typewriter, donc pourquoi pas. Et à partir de là, voilà, c'était lancé, on a signé la convention de développement avec eux en janvier, on était étudiants. Les 5 étudiants, on a pu être rémunérés dans le cadre de nos études pour créer les premiers game design documents et préparer en fait, le boulot qui allait commencer en janvier prochain. Donc là, c'est une image du game design document, c'était... À quoi ça correspond?
Game design document, c'est tout ce qui va reprendre les concepts, la jouabilité, la physique, les règles en fait. Ça, c'est le livre des règles d'un monde jeu vidéo. Alors les personnages principaux, la manière dont ils se comportent, les univers, ça c'est la courbe de difficulté par exemple. Il y a les 10 niveaux et puis on progresse de niveau en niveau. Donc tout ça c'était dans le cadre de nos études, mais comme on a signé la convention de développement à Carte, on était vraiment super content de faire des études pour une première fois. Donc je vais passer rapidement, c'est des photos de la production. Donc là c'est nos locaux avec Snilo. Désolé pour la presse, c'est pas terrible. Ça c'est Unity 3D, à l'intérieur de Unity 3D. J'aurais peut-être dû... Alors, le cauchemar de tout développeur, c'est d'essayer sur tous les supports possibles et inimaginables. On utilise Unity 3D qui permet en fait de faire des portages sur Android, PC, Mac, Windows, iPhone, iPad, web. Donc bien puissant, mais par contre, on s'est bien arraché les cheveux. Les recherches graphiques autour des univers, donc on avait des planches tendances à chaque fois. Je les remettrai un peu moins, plus vite la prochaine fois. Ça va vous parler si je... Alors vous avez vu un peu mon équipe, il y avait les deux développeurs, le level designer, le producteur. Tous les gens de mon équipe étaient barbus, j'avais un peu de mal à... Mais bon, ça s'est super bien passé, on a fait 8 mois de production, à raison de 2 semaines par niveau, plus ou moins. Et on a eu quand même quelques petites surprises, quelques galères, etc. Donc je pourrais vous en parler après. Mais on a réussi à sortir le jeu, et ça c'était le plus important. On a réussi à sortir le jeu, on est édité chez Bulkypix, qui est un éditeur français de jeux vidéo qui fait des applications et du jeu vidéo casual et qui a très tôt cru dans le projet. D'ailleurs, c'était des gens que j'avais rencontrés il y a 3 ans et qui ont attendu 3 ans avant de signer le contrat, mais qui étaient quand même là. Pour vous raconter un peu l'histoire de la production, les choses les plus compliquées, c'était par exemple les droits des archives. C'est-à-dire que tout le décor que vous voyez, en fait, tout ce qui n'est pas noir, sont des archives originales. Il y a plus de 60 archives originales dans le jeu, qui viennent des fonds comme la BNF, le musée de l'imprimerie, Bridgeman Art. Voilà. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de vendre des images pour du jeu vidéo. Déjà pour le web, c'est compliqué, mais pour le jeu vidéo, vous n'avez pas de grille tarifaire. Donc là, il a fallu leur expliquer. Alors des fois, c'était facile, des fois, c'était un peu plus compliqué, mais ils ont tous vu que c'était un autre moyen de mettre en avant leur fonds. Donc ça, c'était plutôt chouette. On a eu l'histoire des droits des typos aussi, qui est quand même, un petit challenge, parce que si on avait acheté les droits des typos, les différents supports, les différents droits d'utilisation sur Facebook, sur le jeu et tout, on en aurait eu pour plus de 40 000 euros, je pense. C'est comme si, en fait, on avait fait un jeu vidéo sur les chaussures, sur les baskets, et qu'on avait un niveau qui s'appelait Nike, Adidas, Puma, etc. Donc là, on n'avait que des rockstars de la typographie, la Helvetica, la Times New Roman,
la Comics en MS, bon bref. Mais voilà, heureusement qu'il y a des producteurs qui sont là et on a un partenariat avec Monotype. On a sorti le jeu il y a 3 semaines maintenant, le 10 octobre, comme vous avez pu le voir. Ça a été un bon lancement. Voilà, ça c'était le premier jour. On a été mis en avant par le store d'Apple, on a été App of the Week le jour de la sortie. On s'est très vite placé là. Et ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. On n'imaginait pas que ça marcherait aussi bien. On avait une petite communauté au départ qui était là, qui nous suivait. On était aux alentours de 1000 fans sur Facebook, etc. Mais on n'imaginait pas qu'on passerait devant lui. Et bon, après on est redescendu. Hein. Maintenant on est 26e, hein, mais bon. Donc ça c'était assez fou, c'est-à-dire qu'en se levant le matin, d'aller checker le store, vérifier où on en est, etc., de voir les commentaires qui sont pas mal. On a eu des soucis de crash parce que iOS 7 est sorti peut-être 2 jours avant TypeRider. Et mine de rien, ça a bien foutu le bordel, c'est-à-dire que ça fait perdre de la mémoire à votre téléphone, en fait, c'est assez simple comme principe. Donc votre téléphone est moins puissant. Donc tout d'un coup, tous les réglages qu'on avait faits, en fonction des machines, on savait que sur iPad mini, on pouvait être en qualité good, mais en fait non, il fallait être en qualité fast, parce que depuis que iOS 7 était là, tout a changé. Donc on a eu des commentaires un peu hargneux qui nous ont dit « ça crache ». Donc on a eu fait pas mal de support pour pouvoir dire aux gens « changez vos settings de qualité, allez dans les paramètres, etc. » Donc ça nous a bien occupés, mais... on a eu des articles dans pas mal de journaux, de magazines, pour faire la liste des journaux. On a eu Le Monde, Télérama, Le Parisien, Le Nouvel Observateur, Les Échos. Metro News. Metro News, tout à fait. Metro News. On a eu, donc ça c'est en papier, on a eu quasiment tous les sites de jeux vidéo en France. Les blogs, etc., qui ont parlé du projet, parce que c'est quand même Arte qui fait ça, donc tout de suite ça éveille la curiosité des critiques. Donc ça c'était pour la presse spécialisée jeux vidéo. Et après, outre-Atlantique, là ça a commencé à aller de plus en plus haut. Ça a commencé avec Gizmodo, on s'est pris un article sur The Verge, on a eu un article sur Fast Company et Co-Design. Voilà, à partir de là, ça ne s'est plus arrêté. Donc là, maintenant, ça s'est calmé. On n'entend plus parler de TypeRider, mais pendant les 2 premières semaines, c'était assez fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on checkait les mails ou qu'on allait voir sur Twitter, il y avait un article encore plus gros qui sortait et c'était assez dingue. Bon, voilà, c'est un truc que je vivrais certainement une fois dans ma vie. Mais pour l'occasion, c'était vraiment une expérience de fou. Il me reste 2 slides, c'est pour ça que je fais avant-arrière. Sinon, c'est celle d'après, c'est celle qui dit merci. Au revoir. Mais voilà, je vais mettre celle-là. De quoi je pourrais vous parler d'autre? Peut-être de la manière dont on garde un projet pendant 5 ans. Je me rappelle qu'il y avait une question là-dessus. J'ai fait pas mal de trucs à côté. J'ai commencé il y a 5 ans, je pensais pas du tout que ça se transformait là-dedans. C'était un jeu flash, c'était à l'époque où il y avait des petits sites qui proposaient de jouer pendant 5 minutes à des jeux flash et tout. J'imaginais vraiment pas que ça prendrait autant d'ampleur. Donc j'ai laissé de côté en me disant, bon bah voilà, j'essaierai de le faire tout seul un autre jour. J'essaierai de trouver un développeur qui pourra travailler gratuit pour moi pendant un an et tout. Et au final, ça marche pas comme ça du tout. Il faut garder un projet dans un carton, laisser mûrir, se laisser surprendre par d'autres projets, des rencontres, des expositions, ou n'importe. En fait, laisser mûrir le projet le temps qu'il grandisse un peu, et quand on sent que c'est le bon moment, bah, là je crois que j'ai dégainé TypeRider exactement au bon moment, quand Arte se posait des questions sur le jeu vidéo, quand Ex Nihilo se lançait là-dedans. Voilà, il y a un moment, je ne sais pas comment on décrit ça, mais il y a un moment où le projet arrive à maturité et est prêt d'être développé. Ça a pris 1 an de développement, d'écriture, et ensuite 8 mois de production, et on en est encore un peu sur la production, là, même si le jeu est sorti. Il n'y a pas Internet, mais je pourrais vous montrer le jeu Facebook et l'installation interactive. Je pense qu'il y a Internet. Rodolphe, est-ce que Rodolphe est là? Bon,
Non. Je pense qu'il y a Internet, mais ce n'est pas grave. Bon, de toute façon, vous pouvez aller sur arte.tv/typerider. Il y a la présentation du projet, il n'y a pas Internet. Il faudra qu'on ait les codes. Donc, le code Wi-Fi et tout. Mais, ouais. Comme le Rodolphe n'est pas là, ce n'est pas grave. C'est pas grave. On aurait dû le faire. Donc, sur le... Et ça coûte combien de produire un jeu comme ça? Ah ouais, bonne question. Alors, ça coûte bonbon. Alors, les plus gros budgets, mis à part les salaires, c'est les archives et les droits des polices. C'est un projet qui a été financé en partie par Arte, en partie par Ex Nihilo en fonds propres et par le CNC. On n'est pas allé à l'aide de nouveaux médias, justement, qui est normalement l'aide pour les webdocs et les choses comme ça. On est allé à l'aide à la création de propriété intellectuelle, qui en gros est une aide spécialisée pour le jeu vidéo, qui aide normalement les studios, les gros studios français, etc. Donc là, on a réussi, nous, avec Agathe Film, Arte et Bulkipix, à aller chercher 120 000 euros, il me semble, chez eux. Vous multipliez par 3 et ça fait un projet aux alentours de 400 000 euros. Voilà. C'est pas mal. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher, tu dis ? Les archives, tout ça ? Ouais, après, les salaires, c'est les droits et les archives. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose, heureusement, dont je n'ai pas eu à m'occuper. Les producteurs font ça très, très bien. C'était quoi le moment le plus excitant dans... Parce que ça durait quand même quelques années. Ouais, je vais mettre la dernière slide, comme ça je pourrais... J'imagine des ups and downs, je fais pas, j'aime plus... Des moments les plus... Alors non, il n'y a pas de moment où j'ai arrêté de penser... Pardon. Il n'y a pas de moment où je me suis dit que c'était compliqué, qu'il fallait que je laisse tomber. Il y avait plutôt que des bons moments, des moments difficiles, parce qu'on travaille avec des développeurs barbus et qui sont des fois un peu arrêtés sur leurs idées. Enfin, moi aussi, hein, d'ailleurs, mais voilà, il y a beaucoup de travail humain dans une équipe de 5 personnes et c'est quelque chose qui est un challenge, qui n'est pas désagréable à faire, mais qui est un challenge quand même. Parce que j'ai, pour la première fois, je prenais le rôle de directeur de création et de lead sur un projet, quelque chose qui ne m'était pas arrivé, qui ne m'est jamais arrivé. Donc les bons moments, c'est, voilà, c'est le moment où on sort le jeu et qu'on a les critiques qui sortent. Le bon moment, c'est quand on a terminé la semaine et qu'on a terminé le sprint. On travaillait en sprint de 2 semaines avec la méthode... ça va vraiment venir. C'est quoi sprint ? Les sprints, c'est du scrum. Voilà, on utilise scrum. C'est les sprints, c'est en gros comme si on faisait des mini-productions de 2 semaines qui s'enchaînaient. C'est-à-dire qu'on a un objectif à la fin des 2 semaines, c'est de créer un niveau et de le terminer. Bah voilà, à chaque fin de 2 semaines, on allait boire des coups, donc ça, c'était les bons moments. et voilà, quoi d'autre bon moment de parler du projet et de voir fini et qui continue comme ça. Là, on est parti pour un portage sur PC, Mac et Linux, en passant par Steam. On a un portage PS Vita qui est prévu. On a peut-être Type Rider 2, World Tour, pour ceux qui voudraient continuer à jouer. Voilà, c'est les bons moments, c'est ça. C'est quand un projet se termine et qu'il n'y a plus qu'à regarder partir. Comme on dit, lâcher le bébé, mais j'ai encore un peu de mal. C'est normal, il vient de sortir. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions, vous ? Voilà, vous posez des questions, pas de problème. En tout cas, merci d'être venu. On n'a pas fini encore, attends. Non, vous n'avez pas fini, mais en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Oui, j'ai beaucoup apprécié l'idée, parce que bon, c'est l'histoire de la typographie passionnante. Je suis un petit peu étonnée quand même qu'il y ait des droits sur les typographies, parce que bon, ça existe depuis des centaines d'années, donc je me demandais si ce n'était pas dans le domaine public. Alors, non. Je vais toucher un truc. Non. Non, malheureusement, c'est pas du tout dans le domaine public. C'est-à-dire qu'en fait, il y a. Alors, même les typos, par exemple, la Trajan, qui est une typo qui est romaine, qui a plus de 2000 ans, mais bon, ils ont quand même réussi à mettre des droits dessus, parce qu'en fait, elles sont recréées, elles sont remises à jour, elles sont refaites pour permettre une utilisation sur l'ordinateur, sur le papier, etc. Donc, en fait, les maisons, les fonderies, en gros, récupère les droits en remettant à jour les typographies. Donc, les typographies ne sont pas si anciennes que ça, au final. C'est-à-dire que la Garamond, par exemple, elle a été créée par Garamond au XVIIIe siècle, mais
au 15e, 16e. Le fichier Polis, OTF, TTF, qu'on télécharge sur son ordinateur, a été créé par Monotype il y a 50 ans. Quoi. Donc c'est encore soumis au droit d'auteur, le fichier en lui-même. Mais voilà, après, nous, dans le jeu, on a à la fois des polices libres de droit, c'est-à-dire qu'on a demandé autorisation au créateur d'utiliser la police, parce qu'il a donné gratuit sur Internet, et on a décidé d'utiliser certaines polices open source, comme on dit, notamment une police pour l'interface, une police pour le pixel, etc. Mais non, sinon, tout le reste est soumis au droit d'auteur, même si l'auteur est mort. Et ça coûte cher, parce que c'est à chaque fois sur les supports définis, c'est-à-dire que Facebook, par exemple, ça va être plus cher qu'un jeu, parce qu'on peut utiliser la typographie. Donc, en fait, il y a c'est vraiment un micmac pas possible pour avoir les droits. Voilà. C'est-à-dire, si vous vous donnez à disposition une police sur Internet que les gens peuvent éditer, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la police, la tourner, la grossir, etc., de créer quelque chose avec une police, les grilles tarifaires changent, par exemple. Vous vous demandez pourquoi ? Mais voilà. Après, il y a eu quelques images dans le jeu, des images d'archives, pour revenir sur les archives, qui sont libres de droit, dont on n'a pas payé forcément de droit. Enfin, du moins, on a demandé des autorisations de reproduction aux gens qui avaient l'original, donc ce n'est pas l'histoire de droit. Mais voilà, sinon, ça coûte cher. Sinon, en termes de programmation au niveau des SDK, est-ce que vous êtes tributaire donc de plusieurs plateformes? Est-ce que vous avez dû faire des adaptations pour chaque... Non, justement, je disais que Unity 3D, le logiciel qu'on utilise, oui, permet en fait d'exporter sur différents supports sans faire de portage et de télécharger de nouveaux SDK ou quoi que ce soit. Les seuls investissements qu'on a eu à faire, c'est d'acheter un Android, d'acheter un iPad mini, d'acheter des supports sur lesquels on pouvait tester notre jeu. Mais sinon, Unity 3D, une fois qu'on a la version pro, une version gratuite pour tester et une version pro, la version pro permet de faire tout un tas d'exports très facilement. D'accord. Après, c'est l'histoire de licence. Il faut acheter des droits de licence pour diffuser sur la PS3 ou sur Xbox. D'accord. Pour terminer, la partie audio, est-ce que c'est la partie son est originale? Ah oui, alors c'est entièrement original. C'est vrai que là, on n'entend pas trop le. Parce que c'est très intéressant. Je trouve que c'était très étudié. Alors voilà, effectivement, on a toute la partie audio qui est originale, qui a entièrement été créée par une boîte qui s'appelle Audio Gaming à Toulouse, qui ont fait un super boulot parce qu'en fait, ils sont inspirés des univers graphiques de chaque époque pour en créer des mélodies. C'est-à-dire que dans Gothic, que je vous montre encore une fois, dans Gothic, on va avoir les chants grégoriens, etc. Et puis dans Garamond, on va être sur quelque chose de plus lourd. Et puis ensuite, dans Dido, on va avoir de la musique très légère, etc. Avec des instruments pas d'époque, mais en tout cas inspirés de l'époque. Donc l'audio a joué une part très importante dans ce projet-là. En général, les jeux vidéo, l'audio fait au moins 40% du boulot. C'est-à-dire que un jeu vidéo sans son, il manque quelque chose, quoi, vraiment. Et là, on conseille aux gens, quand on allume l'application, on conseille aux gens de mettre le casque pour s'immerger complètement, parce que on a du son spatialisé, on a des bruitages, on a des musiques, et tout ça, c'est important pour une expérience complète. Voilà, c'est juste mettre son casque en jouant dans le métro, on peut très bien s'immerger, mais pour vraiment jouer à Type Rider dans les meilleures conditions, il faut prendre un gros casque et jouer dans le noir, si on peut vous conseiller quelque chose. C'était une question, en fait. Je vois que depuis les années 80-90, en fait, on constate que les Français ont des très belles idées en jeux vidéo. Ensuite, il y a eu des maisons d'édition françaises qui ont cartonné tout ça dans ces années 80-90. Malgré ça, en fait, elles finissent tous par sombrer. Alors, est-ce que après être passé par tout ça, est-ce que la France est un frein dans la création des jeux vidéo ? Est un frein dans la... Oui. Ah ouais. C'est. Alors, je crois pas, non. Alors, il y a quelques gros studios en France, dont Ubisoft, dont Arkane Studio, dont des jeux qui ont très bien marché et qui continuent de très bien marcher. Alors après, Ubisoft, on peut dire qu'ils sont français, mais en France, ils produisent Just Dance et les Lapins Crétins, mais sinon, tous les gros jeux sont faits à Montréal.
Il y a eu beaucoup de studios qui ont été créés, Infogrames, Callisto, etc., qui ont sombré, effectivement. Faut savoir que c'est quand même un... Après, je ne suis pas producteur, je ne suis pas allé chercher les aides, etc., mais il y a eu beaucoup de boîtes qui ont fermé, qui ont fait des projets, ils savaient que c'était à perte, qui les ont quand même fait, qui sont quand même allés chercher des financements, qui ont fait tout pour que le jeu sorte et ensuite fermer la boutique. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont vraiment acharnés dans ce genre de boulot, mais voilà, c'est tout à leur honneur. Aujourd'hui, il y a quand même une création de jeux vidéo indépendante en France, et je parle d'indépendants, je ne parle pas de gros studios, qui est vraiment très, très belle. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, il y a la Paris Game Week, qui est le gros salon de jeux vidéo français, qui se passe à la porte de Versailles. Ben, il y a un corner made in France, c'est-à-dire qu'il y a une bonne vingtaine de jeux qui ont tous été créés en France, que ça aille du jeu de bataille navale ou bien de simulation de tir, des choses comme ça, qui sont là, qui sont présentés. Il y avait Fleur Perrin qui est venue hier pour regarder comment ça se passait. Donc moi je pense plutôt la force de la France, ça vient plutôt des indépendants, plutôt des petits studios. Il y a beaucoup de petits studios dans la région Rhône-Alpes, etc., qui font des jeux, qui y croient, et qui pour le coup, grâce aux plateformes dématérialisées comme Steam, comme l'iPhone, etc., permettent à des petits studios comme ça d'exister. Après, il faut savoir que c'est quand même, quand on a Arte, Multipix et le CNC derrière soi, c'est quand même très difficile. Il y a des gens qui peuvent travailler 2 ans sur un jeu et faire 300 ventes, quoi. Donc 300 ventes d'un coup, voilà, il faut poser la question, mais il ne faut pas se démoraliser. Rovio, par exemple, qu'on fait Angry Birds, c'était leur 52e jeu avant de faire Angry Birds, donc bon, on peut quand même, l'échec, ça peut marcher aussi. Voilà, je ne pense pas que ce soit un frein, du moins que, voilà, il y a des créateurs, il y a Eric Viennot, Rénal, Chahi, voilà, des gens qui ont créé vraiment des jeux magnifiques dans les années 80, qui aujourd'hui continuent à faire ça en indépendant. Voilà, je pense que ça vient plus de là, la force de la France, que des gros studios, parce que les gros studios, de toute façon, ils font des jeux qui marchent, quoi. Qui marchent très très fort. Et ils mettent 30% du budget dans le marketing. Et un jeu qui marche, c'est combien de téléchargements ? Première semaine, par exemple ? Pour Type Rider, pour la première semaine, on a fait 25 000 téléchargements. Enfin, dans les 5 premiers jours. Là, on en est plus, on se rapproche des 40 000 et d'ici une semaine ou deux, on devrait être aux 50 000. Donc ça, c'est un jeu qui marche sur mobile. Après, on n'a pas été remboursé, hein, pas du tout. Après, un jeu qui marche comme GTA V, je crois que c'est des milliards de bénéfices en 3 jours. Enfin, voilà, peut-être pour résumer un peu, le jeu vidéo, c'est la plus grosse industrie culturelle au monde, en fait, qui a dépassé le cinéma, etc. Donc... disons que les jeux PS3 sont à 70 euros par exemple, 70 euros un jeu neuf. Une PS4, quand elle va sortir, ça va être à 350 euros. Et après, nous, on sort un petit jeu mobile à 2,69 euros. Donc voilà, il y a quand même une bonne marge, une bonne grille tarifaire. Et il faut combien de téléchargements pour que vous rentrez dans vos... Il nous en faudrait 100 000. Voilà. Si 100 000. Tout le monde parle à tout le monde, machin... On va faire une campagne pour Type Rider. Voilà, achetez mon jeu, s'il vous plaît. D'autres questions ? Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas sur ce que vous voulez. Alors, on continue à faire du marketing. Alors là, ça tourne tout seul. On a fait du marketing la première semaine. Il y a eu des spots télé sur Arte, par exemple, avec toujours la question, est-ce qu'on peut m'envoyer sur une offre payante ? On est service public. Donc, il y a le spot télé, mais il n'y a pas écrit disponible sur l'App Store. Donc, voilà, faut voir. En marketing, là, on n'a plus trop de dépenses. On a fait des Facebook Ads, on a fait des encarts dans Écran Total, dans Jeux Vidéo Mag, des choses comme ça. Là, maintenant, c'est plutôt les articles des gens qui tournent, qui continuent à tourner. Est-ce qu'on a encore des choses en marketing ? On a fait des stickers, des flyers, des choses comme ça, mais un peu le strict minimum. Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à coordonner, et ça, c'est la production qui a fait ce travail-là de manière très bonne, coordonner les efforts de Arte, de Bulkypix et de Agathe Film pour essayer de trouver le meilleur compromis, parce qu'il faut secouer un peu les gens, sinon ils le font pas, quoi. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus de marketing qui se fait. On va en faire dès que la version Steam sortira, donc le 7 novembre. C'est pas encore annoncé, mais ça sortira le 7 novembre. Et voilà. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris quand vous avez essayé de présenter votre projet, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas suivi,
parce que c'était un projet qui est plutôt original. Et par exemple, quand vous avez parlé tout à l'heure des personnes à qui vous vouliez essayer de récupérer, dont vous vouliez récupérer les fonds d'archives, est-ce que parce que c'était des jeux vidéo, parce que ils pensaient que c'était un détournement de leur image, des lieux et tout, est-ce que vous avez des refus catégoriques et comment vous avez réussi de temps en temps à moduler ces appréhensions? Alors des refus catégoriques, non. On est tombé sur des branques quand même qui sont voilà, des gens qui ont 15 ans de retard et qui n'ont jeté le nom. Non, généralement on a alors un accueil qui est d'abord ils voient le trailer, ils n'ont pas tout compris, ils voient deux boules comme ça noires, ils se posent des questions. Mais une fois qu'on leur parle un peu de l'équipe, de qui est derrière le projet, de Arte par exemple, voilà, tout, d'un coup ça fait du bien. Ah, quelque chose à dire, lui. Et d'un coup, voilà, ça permet de faire mettre un peu de pommade dans tout ça. Les refus catégoriques, heureusement, il n'y en a pas eu, mais il y a des gens voilà, pour qui ça ne parlait pas du tout. Pour le jeu vidéo, je n'ai jamais eu l'idée que quelqu'un viendrait un jour prendre leur tableau pour le mettre dans un jeu vidéo. Donc, il fallait leur expliquer. Après, il y a des gens qui sont complètement à la ramasse. Par exemple, ils vont signer des droits d'utilisation des images, mais pour 5000 téléchargements. Comment on fait une fois qu'on a fait 5000 téléchargements? Maintenant c'est plus cher. Enfin bref, il y a des gens comme ça qui se disent c'est peut-être le bon plan, si ça cartonne, on va se faire plein d'argent. Donc on fait un contrat pour 5000 téléchargements. Donc voilà, c'est le genre de truc un peu bizarre, mais sinon dans le reste du temps, on a quand même réussi, enfin la production, alors nos Colinar et Landia ont quand même réussi à négocier. Bien négocié. On a des, par exemple, juste pour les grilles tarifaires, il y a des archives qui sont vendues 7,50 €. Voilà, je vous donne le plan, c'est Musée de l'Imprimerie de Lyon. Et par contre, il y a des archives qui sont à 120 €, quoi. 120 € pour un truc qu'on va voir passer une seconde et demie dans l'arrière-plan. Donc voilà. Et puis ensuite, par exemple, il y a des niveaux qui sont plus chers que d'autres aussi. Si vous jouez à Type Rider, vous le terminez, vous verrez que Futura, il y a pas mal d'archives. En fait, dès qu'on se rapproche du 20e, ça commence à monter en tarif. Et Futura, par exemple, c'est celui qui a coûté le plus cher parce qu'il y a du Rodchenko, du Kandinsky, des archives, vraiment de belles archives, quoi. Donc ça, c'est pour ça que ça peut monter très vite. Mais je pense que maintenant, on a réussi à ouvrir la brèche. Non, il y a une grille tarifaire chez les vendeurs d'archives pour le jeu vidéo. N'hésitez pas, je pense qu'on est là encore pour quelques minutes. En fond d'archives, en fonds d'archives, on a travaillé avec des fonds d'archives essentiellement français, sauf Bridgeman Art, qui, historiquement, ne sont pas français, mais sinon, ils ont une division en France. On a un portrait d'une portraite National Museum Gallery de Londres, mais sinon, que d'un interlocuteur français. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre après? Si, on a eu quelques archives. Enfin, après, c'est au cas par cas, par exemple. On a une image d'archives sur le mouvement Free Press, donc tout ce qui parle des années 60, les hippies, etc. Et là, il a fallu contacter directement l'auteur de l'affiche, qui est un mec, je crois qu'il n'a plus besoin de se soucier d'argent. Et il ne nous a pas vraiment... c'est des fois, c'est au cas par cas, parce qu'il y a un artiste en particulier qu'on essaie de récupérer. Mais sinon, c'est des Français. Bonjour. Oui, vous avez parlé d'expérience transmédia tout à l'heure. Quels sont les autres supports sur lesquels vous avez décliné Type Rider? Si j'avais Internet, je vous le montrerais. À part... Mais c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez l'avoir sur le site Internet. Il y a sur le même gameplay, voilà, pour parler un peu de l'expérience transmédia. C'est pas une expérience transmédia dite narrative, comme on verrait des projets qui sortent souvent, où on va suivre une enquête sur son téléphone, on va devoir aller sur le lieu pour prendre le QR code, pour aller sur Internet et trouver la carte, machin. Donc c'est pas du tout narratif, c'est un transmédia de gameplay, c'est-à-dire qu'on va jouer de la même manière sur les trois supports, mais de manière différente. C'est-à-dire que le gameplay, c'est toujours deux petites billes qui roulent sur des lettres. Pour le jeu vidéo, vous avez vu, on est sur tablette, sur web, et on va de gauche à droite, on saute, et on traverse l'histoire de la typographie comme une frise chronologique.
Sur le jeu Facebook, là, on crée des niveaux. C'est-à-dire que je me connais sur le jeu Facebook, je choisis ma typographie, j'écris mon message, comme j'écrirais un statut. Je dispose les lettres pour faire mon niveau marrant avec Clarendon en western, des choses comme ça. Et puis ensuite, je le partage à une personne en particulier ou à la communauté. Et à partir de là, on se challenge, savoir qui a fait le meilleur temps, qui a réussi à battre le niveau de l'autre, etc. Donc à chaque fois que je vais battre le score de quelqu'un, ça va l'afficher dans sa timeline, machin a battu ton score, essaie de rebattre ton score, etc. Et il y a un système de ranking qui permet en fait de passer de tailleur de pierre à moine copiste, à infographiste, etc. On monte, et on termine maître typographe. On est imprimeur du roi et maître typographe à la fin. Donc il y a, pour l'instant, il y a 15 personnes qui sont maître typographe. Il faut 48 000 points, je crois, pour arriver. Et ouais, un truc comme ça. Et c'est marrant de voir une communauté qui se... Enfin, il n'y a pas énormément de joueurs, hein. On est à 2500 utilisateurs mensuels, mais il y a des gens qui sont au taquet, qui terminent tous les scores, tous les niveaux maximum. Donc ça, c'est le jeu social. On a volontairement décidé de le mettre en dehors de l'application. On aurait pu avoir le jeu sur mobile et d'avoir un éditeur de niveau, mais en termes de développement, ça devenait compliqué, et puis on ne trouvait pas ça pertinent d'avoir la création de niveau sur tablette. On voulait vraiment une expérience fini, cloisonné entre guillemets sur tablette, et une expérience ouverte de création sur le jeu Facebook. Et le dernier point du projet, c'est l'installation interactive. Là, ça se présente sous la forme d'un mur interactif avec des lettres magnétiques. Non, mais il y a juste un écho. Avec un mur magnétique sur lequel on vient de dépasser des lettres. Donc je vais tourner mes lettres, je vais les mettre, pas besoin d'écrire un message, de juste créer un parcours de billes dans un labyrinthe. Et il y a un vidéoprojecteur qui projette les billes et ça réagit sur le mur en fait. C'est-à-dire que je crée un niveau et les billes roulent sur les lettres que je suis en train de placer et il faut atteindre des points précis. Donc c'est une sorte de... un peu comme les jeux des billes où on crée des parcours. Donc voilà, c'est un gameplay transmédia. C'est pas une narration transmédia, mais c'est un gameplay transmédia. Et on est en cours de développement d'une série télé aussi. Là, on est en train de créer des formats courts de 2 minutes. On est en écriture, hein, mais on va faire le pilote pour fin janvier. Autour de la typographie, toujours pour Arte, avec les niveaux qu'on a déjà créés, enfin qui parlent des niveaux qu'on a créés et une dizaine d'autres en plus. Donc voilà. Alors là, par contre, on ne pourra pas jouer à la télé, malheureusement, c'est pas encore accessible, mais on essaiera de faire quelque chose qui se rapprochera le plus possible de Typewriter en tout cas. Et vous pouvez jouer, pour préciser, vous pouvez jouer à la version démo sur le site d'Arte. Il y a les 5 premiers niveaux gratuits, entièrement gratuits. Donc voilà. À tester. Merci à vous. Merci beaucoup Théo, merci d'être venu ce matin.